C'est un club familial déjà, mentalité familiale et de convivialité. Un groupe d'amis qui, durant toutes les années donc, passées au club, on a pu donc bien sûr converser, discuter, s'amuser ensemble. Et donc on se retrouve encore entre amis à un autre âge. Base en fait, l'ASM, c'est surtout, ça commence on va dire par une histoire de famille. Et après un groupe d'amis, et on se voit régulièrement lors des matchs, aussi grâce aux soirées qui sont organisées régulièrement. Et tout ça, ça permet une bonne cohésion à tous les niveaux, entre bénévoles, joueurs, dirigeants, et toutes les générations se mélangent. Donc ça aussi, c'est bien parce que tout le monde est impliqué, personne n'est laissé de côté. Je pense de vivre les 50 ans. Les 60 ans, maintenant le 70e, j'espère que je vivrai le 80e, 90e et voire plus. Non, c'est des journées qui restent gravées parce que c'est des journées où tous les dirigeants travaillent, beaucoup de bénévoles travaillent, et ça c'est à notre époque, c'est super important. Et on a toujours réussi à l'AS Morin à garder ce vivier de dirigeants. Certes, c'est pas les mêmes qu'en 2003, mais on arrive à passer le relais, et ça c'est fantastique. Les 70 ans, eh bien, c'est un honneur de pouvoir fêter cet événement. Bon, j'ai envie de dire tout simplement merci. Merci pour leur engagement, pour tout ce qu'ils font pour le club. Parce qu'un club, ça tourne, oui, c'est sûr. On joue sur un terrain de foot, mais il faut à côté travailler. On a des dirigeants vraiment exceptionnels.